Relâche. Souffle et serré. Inspirez le dernier. Soufflez. Inspirez, relâchez. On vient tendre les jambes, tendre les bras derrière. Allongez-vous au maximum. On étire, on étire, on étire, on se grandit. Relâchez. Inspire, on s'allonge. Continuez. Donc sur l'inspiration, on s'étire, on se grandit au maximum. Soufflez, relâchez. Dernière fois, on inspire, on se grandit. Soufflez, relâchez. Encore une fois. Allongez, allongez, allongez. Et soufflez, relâchez. Parfait. Alors, gardez la jambe gauche allongée au sol. La jambe droite vient vers le haut, tendue vers le ciel. Le pied en flexion, donc les orteils sont ramenés vers vous. Le talon est bien pointé vers le plafond. Par facilité, vous pouvez fléchir la jambe gauche si vous préférez. Tant que la jambe droite est bien vers le ciel, talon vers le plafond, on ressent la tension au niveau de l'arrière de la jambe. Gardez la jambe droite tendue vers le ciel. Si ce n'est pas déjà fait, on vient fléchir la jambe gauche. Donc le pied reste au sol, la jambe gauche est fléchie. On vient fléchir la jambe droite également. Placez le pied droit sur le genou gauche. Le genou droit bascule vers l'extérieur. Et en soufflant, donc vous avez une petite fenêtre triangulaire formée par vos jambes. On passe le bras gauche par l'extérieur, le bras droit passe entre vos jambes et je viens attraper l'arrière de ma cuisse gauche en décollant le pied du sol. Si vous savez attraper le tibia gauche plutôt que l'arrière de la cuisse, c'est très bien aussi. La jambe droite reste bien fléchie, là on vient étirer en fait le fessier droit. Allez, on tient encore 10 secondes, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement relâchez. La jambe droite vient se replacer près de la jambe gauche, le pied bien au sol, la jambe fléchie. Et cette fois, la jambe gauche vient se tendre vers le ciel. Le pied en flexion, les orteils sont ramenés vers vous et le talon pointe vers le plafond. Alors, si la jambe est fléchie, c'est pas grave. Hein? Ça, la jambe qui est vers le ciel, je veux dire. Tant que vous sentez une tension dans l'arrière de la jambe, dans les fessiers, on est dans du bon travail. On ramène la jambe vers soi au maximum. Vous pouvez sentir facilement vous-même, hein, au plus vous ramenez la jambe vers vous, au plus on sent les ischio-jambiers qui sont étirés. Allez, le pied gauche vient se placer à l'avant du genou droit. Et on vient décoller le pied droit et attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia. La jambe gauche elle reste fléchie, le pied toujours bien sur le genou droit. La jambe droite reste bien dans l'axe du corps et la jambe gauche, elle a le genou vers l'extérieur. On vient étirer le fessier. On respire bien, on relâche au niveau du haut du corps, relâchez les épaules au maximum, relâchez la nuque. On tient encore 10, 9, 8, 7,
basculez sur le côté et poussez sur le bras pour vous redresser en gardant le dos bien droit. On vient se placer en position quadrupédie. Les mains bien à plat sous les épaules. On vient crocheter au niveau des pieds. Soufflez bien, poussez sur les bras, sur les jambes et on vient monter les fesses. On abaisse bien les omoplates au niveau du dos. Les abaisser non pas vers le sol, mais les abaisser anatomiquement, donc vers vos fesses qui sont en haut. On garde bien les jambes tendues. Le tronc et les bras sont bien alignés aussi, la tête est bien entre les bras. Tirez le talon vers le sol au maximum. Imaginez que vous voulez rapprocher la poitrine de vos genoux. On fléchit doucement les jambes et progressivement les mains viennent se rapprocher des pieds. Les jambes se retendent progressivement. Continue, les bras continuent à pendre devant. Laisse la gravité faire son travail. On respire bien, on souffle. Et progressivement, je viens dérouler lentement le dos pour redresser. La main droite vient se placer entre les omoplates et la main gauche vient tirer le coude. Pensez à bien garder le bassin en rétroversion pour ne pas creuser dans le dos. Tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale, donc de profil, mais pas comme ça avec les fesses tirées vers l'arrière. Je viens basculer le bassin en rétroversion. Serrez les fessiers et là j'ai le bas du dos protégé. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement et même chose avec l'autre bras. Gardez bien le bassin en rétroversion toujours. Allez, on souffle, on respire, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, relâchez, les mains viennent s'attacher derrière, tirez les bras vers l'arrière, on sort la poitrine devant. Allez, on vient bien étirer les épaules et les pectoraux accessoirement. Toujours en basculant bien le pubis légèrement vers l'avant pour ne pas creuser dans le dos. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez bien les épaules avec des petits mouvements de petits cercles vers l'arrière. Allez, on inspire bien quand la cage thoracique est ouverte et soufflez quand elles reviennent devant. Même chose vers l'arrière. On vient prendre une bonne inspiration. On se grandit, on s'allonge. Soufflez, relâchez. Soufflez doucement et longtemps. Encore une fois, inspire. Soufflez. Dernière fois, inspire. On allonge, on s'étire, on se grandit, on tire bien à gauche, on tire bien à droite. Inspirez encore. Et soufflez.
je coupe la musique. Et bien voilà, qui clôture cette nouvelle séance. J'espère qu'elle vous a plu, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour la suivante. Continuez à prendre bien soin de vous. À très vite.